écoute, on va lui faire une visite, on a le temps de le faire. Il y en a d'autres. Ça, c'est deux renouvellements qu'on a reçus hier. Je vais reprendre le dossier, je vais regarder. C'était favorable. Faut que je revoie les conditions d'accueil. Donc celui-là, c'est bon, donc on prévoit un suivi. Soit quand elle a fini les travaux, soit dans 6 mois. J'ai mis mois de juin. Donc du coup, il n'y avait que ça à voir chez elle. Ouais, et elle va nous faire un mail pour nous dire vraiment la date de reprise pour lancer la VAD. Parce qu'elle était en arrêt jusqu'à présent, c'est ouais. Elle, hein. C'est ça. Bah, écoute, on va attendre qu'elle nous donne sa date, et puis on fera une visite. Voilà. Les issues de secours, donc l'issue de secours c'est ici, on a, et puis du côté de oui. La résidence. Oui, on a un plan d'évacuation, je pense qu'il est bon celui-là. Oui, l'escalier, ouais, je pense. Oui, je pense. Oui, c'est un escalier. Donc en fait, il faut. Okay. Avec des enfants, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 marches. Cette porte, c'est une porte qui fait. Oui. Votre collègue, elle est assistante maternelle. Non, 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 je vous avais, quand on s'était déjà rendu, oui, je vous avais dit qu'elle n'y était pas. Elle a le CAP petite enfance, le BAFA, et elle travaille en école maternelle, donc au périscolaire de Mézières. D'accord. Oui, donc il faut qu'elle fasse sa demande. C'est ça. Les bébés, ils seraient ici sur un parc avec des tapis au sol, des petits portiques. Un parc modulable, vous savez, c'est pas les parcs en bois, hein. C'est vraiment les parcs avec des panneaux qu'on peut moduler en rond, en carré, en rectangle et comme on veut, enlever facilement et remettre. Et ça laisse peu d'espace pour se déplacer pour les enfants. Si vous, je suppose que vous attendez une capacité de au moins 8 enfants. Oui, effectivement. Et 8 enfants dans un espace, vous avez alors un parc. Une table. Là, vous avez le coin cuisine. Ici, vous avez le coin repas des bébés, etc. Il y a peu d'espace pour circuler au niveau des bébés. La matricité des petits. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je ne sais pas, il va falloir qu'on voit par rapport au métrage. Je te dis, on est sur 5 mètres carrés par enfant hein, en moyenne. Mm-hmm. Donc, si vous visez. Là, si on vise sur. 8 enfants, ouais, on est 40 mètres carrés. Mais donc, ça fait juste. Ça fait un peu juste ici. Après, il faut peut-être voir sur les chambres comment ça se passe. Pour réfléchir à vos modalités d'accueil et à votre projet d'accueil. Dire comment est-ce que vous organisez à deux, qui fait quoi, comment est-ce que vous faites pour les activités, où est-ce que vous pouvez les proposer, comment vous pouvez les proposer, à quel moment. Et puis bon, après, revoir l'installation. Après, c'est pas rédhibitoire en termes de superficie. Hein, on est dans la... C'est plus en termes d'organisation. Ouais. En termes d'organisation et de, effectivement d'ergonomie de travail. Donc vous vous dites oui ou non, ou oui mais vous faites ça. Mais ça va être, il y aura des, oui. Il y aura des préconisations en tout cas. Oui. Et puis les points de vigilance probablement. D'accord. Donc à voir après. Alors sachant que l'étude de faisabilité n'est pas non plus un accord, c'est une étude comme quoi le local peut effectivement accueillir des enfants ou pas. Mais après, ce qui compte, c'est vraiment derrière ce que vous allez proposer, c'est-à-dire le projet d'accueil, votre positionnement, enfin, votre organisation, l'organisation interne, etc., etc., le règlement de fonctionnement, etc. Okay. L'étude de faisabilité vous donnera juste est-ce que le projet, vous pouvez le continuer ou pas. Au niveau du nombre d'enfants présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 41 ce matin et 39 cet après-midi. On a bien réduit la liste d'attente, parce que là, on n'a plus de commission, on n'a plus rien. Donc, on fait des réponses négatives, du coup. Ouais, on fait des réponses négatives, donc, ça ne sert à rien de laisser à tout près sur les parents, pour pas rien. Quoi. Les critères, donc, c'est le lieu de résidence, l'accueil des fratries, l'âge de l'enfant, la date de la demande, le volume horaire, enfin, les contrats, quoi, les familles monoparentales, les besoins spécifiques, c'est ça. Ah ben c'est bon alors. Donc elles sont ensemble de 7h à 8h, 8h30, ça dépend du nombre d'enfants. Et le soir à partir de 17h, 17h30. Tu viens me montrer? Viens, oui. Viens, viens me montrer.
Viens me montrer. Toi, tu dors. Alors, il est où ton lit? Montre-moi. Parce que moi, je suis curieuse. J'espère qu'il n'y a pas d'autres enfants. Il est où ton lit? Tu dors ici. Et est-ce que tu dors bien? Oui. C'est bien. C'est bien la crèche? Oui, c'est bien la crèche. Une toilette. Et lavabo. Et là, c'est le lavabo pour enfants pour également. Les adultes. Ah, pour les adultes. Pour les enfants, il n'y en a pas. Oui. Ah oui, pardon. Alors, sur toute la journée du 19, 28 enfants. Donc la fermeture annuelle, donc tous les jours fériés. Oui. Il y avait le 8 mars, une journée pédagogique. Tout à fait, le 8 mars. On est extrêmement souple sur leurs besoins au début, leurs besoins d'accueil pour leurs enfants au début. Et on se donne les moyens que quand elles auront retrouvé un travail, finalement, quel que soit le nombre de jours et quelles que soient les amplitudes, elles aient la certitude que ce sera possible. Que ce sera possible de faire garder. Pour qu'elles puissent dire à l'employeur, j'ai un moyen de garde. Mmh. Et notre effort à nous, ici, il porte beaucoup sur le fait de sécuriser... la reprise, le retour à l'emploi. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est bien. Les dossiers médicaux des enfants, j'ai 3 places sous clé. Tous les mois de juin, je demande aux familles de me refournir le carnet de santé. Et une fois que j'ai toutes les copies, on prend un temps et on check tout. Des surchaussures. Mais je les ai, moi. On les a déjà. Ah, c'est sur 2 semaines, parce que j'allais dire... Là, c'est le lundi pour les petits, de la semaine du 15 au 21 janvier. Donc ça, c'est le lundi. Le lundi pour les petits. Donc ils ont de la... Purée de pois chiches. Mais les petits, c'est pas les bébés, hein. Bah, d'accord, tu sais, c'est à partir de 6 mois. Ah ouais. Puis, bah, y a de quoi faire. Hein. Donc, les caisses de jeux, on tourne. Mmh. Au moins, enfin, on tourne de ce qu'on leur propose et donc, pour les laver. Ça non plus, ça n'a pas du tout bougé depuis la dernière. Non. Avec des escaliers. Escaliers pour changer les enfants. C'était bon les carottes? Il n'y en a plus. Vous avez tout mangé? Non. Non? Même pas. Bah oui, t'as tout mangé. Vous avez tout mangé. Toi, t'aimais pas? Ouais, puis ce qui manque, c'est le tableau avec ce que vous avez nettoyé dans la journée. Alors, les échantillons, c'est le prestataire qui les garde. Sauf quand nous, on fait atelier culinaire. Ouais. À ce moment-là, on met. Un petit échantillon au frigo. Avant le repas, avant de donner le repas, voilà, en vérifiant que c'était bien en dessous de, enfin voilà, aux alentours de 4. Et du coup, ben, comme ça, vous êtes sûr qu'au niveau de votre traçabilité, les laitages ont bien été conservés à bonne température toute la journée. Et il faudrait le faire éventuellement avant les goûter. Et ça, c'est un petit réfrigérateur aussi. C'est un congélateur. Donc ah, c'est là, un congélateur. C'est... Bon, après, s'il y a des choses qui te reviennent, tu me redis. Mais là, je pense qu'on a. Là, je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments. Donc, ah, c'est bon, le protocole d'administration. Ah oui, tu l'as vu, mais je te le transmets, le protocole d'administration. Ah oui, tout à fait. Faut qu'on faut qu'on l'archive. Ok. Et toi, de ton côté? Bah écoute, on a fait le tour. Si j'ai des questions, donc, je te rappelle. Des trucs, donc c'est bon. Oui, on, à toutes les deux, en général, on arrive. Et puis, si j'ai...